la sériciculture et l'élevage du ver à soie qui est lui-même la chenille d'un papillon, le Bombyx mori. Elle consiste en l'ensemble des opérations de culture du mûrier, d'élevage du ver à soie pour l'obtention du cocon, de dévidage du cocon, et de filature de la soie. L'élevage s'effectue à partir des œufs du papillon appelés selon l'usage graines. Dans le sud de la France, la maison dans laquelle on pratique l'élevage des vers à soie est appelée magnanerie, du nom de magnan donné au ver. Jusqu'en 1860, la sériciculture était répandue en France, en Italie, et dans le bassin méditerranéen, mais des épizooties ont décimé les populations de vers à soie et aujourd'hui plus de la moitié de la production de cocons est réalisée en Asie, Chine, Inde. Histoire de la sériciculture, les origines. La sériciculture a une histoire de plus de 6000 ans. Les plus vieilles traces de soie de la préhistoire, qui dateraient de plus de 8500 ans ont été trouvées par une équipe chinoise dans des tombes du site de Jiahu. Mais l'origine de l'élevage du ver à soie appartient en partie à la légende. Celle-ci raconte que c'est la princesse chinoise Siling Shi qui, 26 siècles avant Jésus-Christ, faisant tomber un cocon de papillon dans sa tasse de thé, découvre le principe du dévidage de la soie. L'Empire de Chine va conserver durant plus de 2 millénaires, l'exclusivité de la fabrication de la soie. Son commerce s'étend, plus de 2 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à la Grèce. Finalement le Japon, puis l'Inde, réussissent à découvrir le secret de la fabrication de la soie et deviennent d'importants producteurs. Les Romains nommaient ce riz comme la région située au-delà du Gange. Des découvertes archéologiques montrent la présence du mûrier pour l'élevage du ver à soie dans la culture de Yangshao, néolithique moyen chinois, de 4500 à 3000 avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'au cours du 6e siècle après Jésus-Christ que la technique de fabrication arrive dans le bassin méditerranéen. L'Empire byzantin la conservant d'abord jalousement. Procope de Césarée, vers 500-560, décrit la façon dont l'empereur Justinien, 483-565, réussit l'élevage. La conquête musulmane de la péninsule ibérique et de la Sicile diffuse ces techniques plus largement. Sous l'impulsion de Roger Ier de Sicile, vers 1034-1101, et de son fils Roger II, 1093-1154, le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l'ancien Péloponnèse qui a pris ensuite le nom de Morée, en raison de l'importance de la culture du mûrier. L'industrie de la production de la soie s'installe en Sicile et la Calabre qui devinrent des centres producteurs. La diffusion continue tant en Espagne, autour de Grenade, Tolède ou Séville qu'en Italie autour de Venise, Florence ou Milan. Historique de la sériciculture en France. L'arrivée des papes à Avignon au début du XIVe siècle, introduit la culture du mûrier dans la région. Louis XI, 1423-1483, invite des artisans italiens et grecs à s'installer à Tours, ville qui compte 8000 métiers à tisser en 1546, et qui devient ainsi un centre séricicole plus important que Lyon, Montpellier ou Paris. Des autres mesures seront prises par la royauté, notamment par François Ier qui signera en 1544, une ordonnance encourageant la culture du mûrier. Mais c'est surtout Henri IV qui donne une forte impulsion à la sériciculture grâce aux travaux de son illustre conseiller, l'agronome Olivier de Serres, dans le futur département de l'Ardèche. Des mûriers sont plantés jusque dans le jardin des Tuileries. François Troca fait planter plus de 4 millions de mûriers en Provence et en Languedoc. Sous Louis XIV, Colbert chargea un certain Isnard de faire publier des mémoires sur la culture du mûrier et l'élevage du ver à soie. Il fallut le terrible hiver de 1709 qui gela les châtaigniers des Cévennes ainsi que les oliviers dans tout le Midi, pour obliger les agriculteurs à s'orienter vers une nouvelle ressource, la sériciculture. Le mûrier se développe dans les Cévennes et dans une moindre mesure en Provence. Michel Darluc parle de champs de mûrier bordant les champs de blé dans la croix irriguée. De 1760 à 1780,
La production de cocons s'élève à environ 7000 tonnes par an. Le développement s'accentue pour atteindre en 1853 la production record de 26000 tonnes. Malheureusement, cette progression se fait au détriment des exigences sanitaires. Comme dans bon nombre de cas, cette intensification de la production s'accompagne d'une multiplication des maladies touchant les vers à soie. La production de cocons tomba en 1856 à 7500 tonnes de cocons. Jean-Jean, secrétaire du comice agricole du Vigan, Gard, pouvait écrire « Les plantations de mûriers sont entièrement délaissées, l'arbre d'or n'enrichit plus le pays ». En fait, ces maladies apparurent dès 1849, mais la propagation avait pu être freinée par l'importation de graines espagnoles et surtout italiennes. En 1855, l'Italie ayant été également touchée, les graines importées étaient contaminées, d'où la récolte catastrophique de 1856. Des importations de graines sont alors effectuées à partir du Japon et de la Chine. Mais les mauvaises conditions de stockage dans les entrepôts à Yokohama ou à Shanghai ainsi que la durée du transport compromettent la qualité des graines. Des importations sont également faites de Géorgie et du Caucase. Pour maintenir l'activité des industries de filage, des cocons sont également importés du Japon. À la suite de nombreuses interventions, le ministre de l'Agriculture Beïke confia l'étude de ces maladies à Louis Pasteur. Ce dernier hésite à accepter cette mission car, selon ses propres termes, il n'avait jamais touché à un vers à soie. Pasteur finit par accepter et se rend le 6 juin 1865 à Alès. Il étudie en particulier, dans les Cévennes, Gard et Ardèche, deux maladies, la pébrine et la flacherie. Après 5 ans de travaux, il propose une méthode de prophylaxie et publie en 1870 un livre intitulé « Études sur la maladie des vers à soie », qu'il dédicace à Sa Majesté l'Impératrice qui lui avait dit que la science n'a jamais plus de grandeur que dans les efforts qu'elle fait pour étendre le cercle de ses applications bienfaisantes. Ces maladies avaient également été étudiées par de Quatrefages, Béchamp et Balbiani, mais la postérité ne retiendra que le nom de Pasteur. Grâce à ses travaux recommandant une utilisation de graines saines, le développement de la pébrine est enrayé mais la production ne progresse pas et se stabilise entre 8000 et 10000 tonnes de cocons. En effet, d'autres facteurs entrèrent en ligne de compte. Résistance de la flacherie, ouverture du canal de Suez, d'où une concurrence étrangère plus forte, développement dans le Midi de cultures plus rémunératrices, fruits et légumes dont les plaines et vignes sur les coteaux, et apparition des fibres synthétiques. En 1891, la sériciculture est à l'origine d'un événement pittoresque et festif. L'élevage du vers à soie utilisait des feuilles de papier perforées de petits trous ronds. Monsieur Lué, administrateur du casino de Paris, se procura des chutes de ces feuilles de papier. Elles furent utilisées, comme projectiles, dans un bal masqué donné à l'occasion du carnaval de Paris. Ainsi fut lancée la vogue mondiale du confetti en papier, prodigieuse à ses débuts et que nous connaissons toujours aujourd'hui. Après le bouleversement de la guerre de 1914-1918, la production se stabilise entre 3000 et 4000 tonnes de cocons, puis à compter de 1924 continue à décroître jusqu'à 500 tonnes à la Libération. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un bref renouveau s'est manifesté pour la fabrication des parachutes. Une affiche éditée par le ministère de l'Agriculture demandait aux paysans français d'élever des vers à soie avec pour slogan « Des parachutes français tissés avec de la soie française ». Malgré cela, la production continua à baisser pour ne devenir qu'anecdotique. Conditions techniques de l'élevage. Élever quelques chenilles de bombyx pour obtenir des cocons est chose facile, mais il n'en est pas de même pour l'élevage d'un grand nombre de vers à soie. Dans ce dernier cas, il faut respecter des conditions d'hygiène rigoureuses pour prévenir les diverses maladies. Avant de filer son cocon pour se transformer ensuite en chrysalide, le vers à soie subit 4 mues. L'espace de temps compris entre ces mues successives a reçu le nom d'âge. Le vers à soie doit donc passer par 5 âges successifs. La graine, incubation et éclosion.
La première condition qu'exige l'éducation du ver à soie est le choix de la graine. On doit rechercher une couleur gris cendré. La fabrication de la graine étant une opération délicate, des établissements spécialisés avaient été agréés conformément à la loi du 7 mars 1944, afin de produire des souches saines. La mise en incubation doit être effectuée à la mi-avril, époque à laquelle les bourgeons de mûrier commencent à s'épanouir. Les conditions d'une bonne incubation sont: une chaleur douce s'élevant régulièrement de 1 à 2 degrés par jour jusqu'à 23 degrés Celsius, et sans jamais redescendre, de l'air pur et sans cesse renouvelé, indispensable à la respiration très active des œufs à ce moment, une légère humidité pour éviter le dessèchement de la graine. Pour réaliser cette incubation, les graines étaient autrefois placées dans des sachets ou nouets qui étaient portés par les femmes sous leurs vêtements ou déposées dans une pièce chauffée telle que celle où se trouve le four du boulanger. Il est évident que les conditions précédentes étaient mal respectées. La meilleure solution est de recourir à une couveuse ou incubateur dont le type classique en France est le Castelet des Cévennes. La durée de l'incubation est en général d'une quinzaine de jours, l'approche de l'éclosion est annoncée par un changement de coloration de l'œuf qui devient blanchâtre. L'éclosion dure 3 à 4 jours. Pour enlever les jeunes vers éclos, on place sur les œufs un morceau de tulle sur lequel on dispose des feuilles de mûrier coupées en fines lanières. Les jeunes larves passent à travers la toile pour manger les feuilles qui, une fois garnies de ver, sont placés sur des claies. Égalisation et espacement des vers. Pour faciliter la conduite de l'élevage, il importe que les vers évoluent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils muent et fassent leur cocon en même temps. Il faut donc que les derniers nés évoluent un peu plus vite pour combler leur retard, pour cela ils seront mis aux endroits les plus chauds de la magnanerie. L'espacement des vers est un facteur qui influe énormément sur l'état sanitaire et donc sur le rendement. Il faut compter pour les chenilles du cinquième âge, environ 2 mètres carrés de clay pour 1 gramme de graines. Délitage. Il faut débarrasser les vers de leur déjection et des feuilles souillées, cela sans les toucher de crainte de les meurtrir. Cette opération appelée délitage s'effectue, après chaque mue, par les vers eux-mêmes au moyen de feuilles de papier trouées ou de filets à mailles, plus ou moins serrées selon leur grosseur et que l'on dispose au-dessus des chenilles. Les vers passent au travers des mailles pour venir chercher des feuilles fraîches qu'on leur a distribuées au-dessus. Le délitage terminé, la vieille litière doit être enlevée avec précaution pour ne pas disséminer les poussières contenant de nombreux germes. Alimentation. Il faut donner à manger aux vers peu à la fois et souvent, soit 4 fois par jour. Les repas doivent être donnés à heure régulière. Les vers mangent avec plus d'avidité et profitent mieux de la nourriture qui doit être répandue uniformément. Pour 25 à 30 grammes de graines, on estime qu'il faut distribuer, pendant les 32 jours que dure en moyenne l'élevage, environ 1300 kg de feuilles. Vers le 8e jour après la 4e mue, l'appétit des vers diminue et on les voit se déplacer rapidement, leur corps devient jaune ambré. On dit que le ver est mûr. L'éleveur dispose des rameaux de bruyère en formant une sorte de galerie ou cabane de 50 cm de large et d'une profondeur égale à la largeur de la claie. La chenille monte dans ses branchages pour procéder à la formation de son cocon. Le maintien de la température est nécessaire pour que le ver puisse d'abord faire son cocon puis se transformer en chrysalide. Il arrive que deux vers s'unissent pour faire un même cocon. Il y a alors formation d'un cocon double contenant deux chrysalides. À la place des bruyères, on peut utiliser des hérissons plastiques. Aération. Le renouvellement de l'air dans lequel vivent les vers joue un rôle capital souvent négligé dans le passé. Dans les locaux d'élevage, l'air est rapidement vicié par la respiration des vers et se trouve de plus pollué par la fermentation des litières. Un renouvellement fréquent de l'air est une nécessité absolue. Une ventilation énergique est plus particulièrement indispensable quand le temps est orageux et que l'air reste stagnant dans la magnanerie. Température. La pratique a montré que la température la plus favorable se situe entre 22 et 24 degrés Celsius. Les vers redoutent beaucoup les variations brusques de température. Lumière.
La lumière est indispensable aux vers à soie, qui vivent normalement en plein air. En revanche, il est indispensable d'éviter les rayons directs du soleil. Prévention des maladies du vers à soie. Bien respecter les conditions techniques et physiques de l'élevage ne suffit pas à assurer une bonne récolte. Il faut également respecter une bonne hygiène. Les moyens de lutte contre les maladies sont uniquement préventifs, à savoir, une désinfection générale des locaux et du matériel avant et après l'élevage, un maintien des vers dans la plus grande propreté avec un changement fréquent et régulier des litières. Les maladies qui peuvent atteindre les vers à soie sont la muscardine, la pébrine, la flacherie et la grasserie. La muscardine. La muscardine, désignée également sous le nom de maladie des blancs outragés, est occasionnée par un champignon appelé autrefois Botrytis bassiana et actuellement Boveria bassiana. Le mycélium se développe dans le sang et à l'intérieur du corps en envahissant tous les tissus. Au moment de la mort, le corps prend une teinte vineuse, le cadavre se couvrant d'un feutrage blanc constitué des filaments fructifères avec les spores. Les conidies libérées se déposent sur la peau des autres vers et les contaminent à leur tour. Cette maladie avait été observée par Valinry dès 1725 et expliquée par Agostino Bassi en 1825. L'animal peut mourir aussi à l'état de chrysalide. Une désinfection bien effectuée permet de prévenir cette maladie. Cette désinfection peut être réalisée par une pulvérisation à base de sulfate de cuivre ou de formol. En cas de contamination, il faut enlever les vers malades ou morts et les brûler, déliter les vers sains, brûler les litières où se trouvaient les vers malades. La pébrine. Les vers atteints de pébrine restent petits et sont peu actifs. Le corps présente de nombreuses taches brunes entourées d'une auréole jaunâtre. Le ver paraît saupoudré de poivre, d'où le nom de pébrine, formé par quatre phages. Cette maladie est contagieuse et héréditaire, c'est-à-dire que le feu contaminé donnera naissance à un ver également malade. Il est donc nécessaire d'avoir des graines non contaminées. Pour cela, selon le procédé d'Osimo repris par Pasteur, les corps des femelles qui ont terminé leur ponte sont broyés dans un peu d'eau et examinés au microscope. Si le papillon est contaminé, la ponte correspondante est éliminée. Cette méthode permet de lutter avec efficacité contre cette maladie car les spores de la pébrine ne conservent pas leur vitalité d'une année à l'autre. La flacherie. La maladie des morflats ou flacherie est due à des troubles intestinaux, la feuille contenue dans le tube digestif entrant en fermentation. Les vers malades et les cadavres dégagent une odeur aigre très désagréable. Les vers atteints deviennent languissants, refusent de manger et meurent rapidement. Cette maladie peut détruire en peu de temps toute une récolte. Il faut prendre rapidement les mesures suivantes, enlever les vers malades ou morts et les brûler, déliter et espacer les vers survivants, faire jeûner les vers pendant 24 heures et pousser ensuite l'élevage en chauffant et en distribuant de nombreux repas de feuilles fraîches, propres et non humides. Et enfin la grasserie. La grasserie se déclare généralement vers la fin du cinquième âge, un peu avant la montée. La peau devient très fragile et se déchire spontanément, laissant échapper un liquide laiteux. Cette maladie virale est très contagieuse et doit faire l'objet des mêmes traitements que la muscardine, enlèvement des corps morts et des litières qui sont brûlées, délitage des vers sains. La fréquence des repas peut être augmentée.